Nous sommes dans l'année Shakespeare et on le sait tous. On sait moins qu'on est dans l'année Cervantes. On sait moins que Cervantes est mort un jour avant Shakespeare. Et si on réfléchit bien, tous les deux ont inspiré un nombre de compositeurs, d'ouvrages lyriques, chorégraphiques magnifiques. Mais finalement, Don Quichotte, c'est aussi un merveilleux moyen de voyager dans des univers très différents. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est pour ça que ça s'est imposé comme une évidence, puisque ce projet se veut être un écho de l'été. Avant de commencer vraiment comme compositeur d'opéra, il a écrit ses 10 poèmes symphoniques pour l'orchestre. Et Don Quichotte, c'est un des 10. Je trouve que la musique de Richard Strauss, c'est beaucoup plus loin du pays d'Espagne, des mélodies spéciales d'Espagne. On n'entend pas ça beaucoup. Mais l'idée du paysage, de la vie de Don Quichotte, l'idée que quelqu'un absolument différent, contrasté avec l'esprit allemand, d'être là, sur place, et un peu où on conserve beaucoup, qu'il y a quelqu'un qui peut échapper de la vie. Les Tréteaux de Maître Pierre de Manuel de Falla, c'est peut-être l'œuvre la plus inattendue de ce programme-là, puisque en réalité, ce n'est pas vraiment Don Quichotte qui est le personnage central de cet épisode-là du roman de Cervantes. C'est plutôt dans ce qu'en fait en tout cas Manuel de Falla et dans le traitement de la voix qu'il en fait, le truchement et donc le rôle des deux enfants qui interviendront pendant ces soirées. L'intérêt de ce spectacle, c'est de se demander ce que Don Quichotte raconte aujourd'hui et quel Don Quichotte notre époque construit ou imagine. C'est de construire un portrait un peu cubiste, c'est-à-dire de se placer de quatre points de vue différents, de quatre angles de vue, musicaux, dramaturgiques, avec des esthétiques tout à fait différentes, des options aussi littéraires qui sont très différentes, et de voir ce que ça raconte.